Voilà, moi na balé l'émission le balé RDC partout ce qu'elle tous allait représenter tout ça la Kimbella partout na Rolanda fait des routes il y a mais c'est au Burundi dans un pourquoi tout bazali présent patriotique il y a tout le bail résistance RDC mais c'est quand puis alobaï que nous singili après ça qui cette musique d'abord père singa qui na bail Congo démocratique qui va démissionner na alliance va ça na ba leader politique tout puis na classe politique na biso mais et puis ça qui bail que mitema likunu meko kamozali parce que tout monde qui bail apparaît ko ba côté qui na kata processus électoral ozaki ozali penser il y a honoré banda tout peu visionnaire na ba monte kasi lelo tout ko découvrir les sous déclaration oyeme ya salaka na ba émission oyasuka a salaka Liboso aiba na kotika mokili OANC gasi to lingaki plutôt to tia bayi apare ko nous se devait fait accompli par rapport ya discours ya leader na bino sans plus tarder to landa element oyo ngai na bino bongo to kozonga to tirer ba leçon biso mo to mi pesa pe ba réponse c'est parti. Alors, en toute vérité que quand je contemple le théâtre qui est en train de se jouer chez nous, ça me fait très, très, très mal au cœur. Parce que tout le théâtre qui est là va conduire le peuple congolais à se mordre le doigt le lendemain. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans ce qu'ils appellent la campagne électorale, ça me fait penser à la scène des animaux qui sont dans le cirque. Et il y a un dompteur qui les fait jouer. Le cirque est plein. Et quand les animaux entendent les applaudissements, ils se disent « Nous sommes populaires, nous faisons le plein. » Mais le lendemain, quand tout est terminé, ils vont se réveiller dans leur cage et ils se rendront toujours compte qu'ils sont en captivité. Ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, les gens sont en train de... Les Congolais sont hypnotisés par le jeu qu'on leur fait jouer dans les stades et les cadeaux qu'on leur donne. Mais seuls ceux qui leur font jouer ce jeu savent où ils les amènent. Parce qu'aujourd'hui, les gens se réjouissent. Mais le 23, moi je n'attends pas la date du 23. Moi j'attends les Congolais le 24 quand ils se réveilleront. Parce que les Rwandais planifient tout. Aujourd'hui, Kabila contrôle toutes les fractions de la classe politique congolaise. Quand il dit que ce seront les meilleures élections, il a raison. Parce qu'en 2006 comme en 2011, ils n'avaient jamais contrôlé les fractions politiques congolaises comme cette fois-ci, où il a complètement scindé l'opposition en deux. Les deux fractions de l'opposition, il les contrôle. Il vous suffit, Baudouin, de regarder tout simplement qui sont les directeurs de campagne dans les deux fractions, que ce soit du côté Lamuka comme du côté de Cash, vous verrez, et quand vous voyez les origines de ces gens, d'où ils viennent, vous comprendrez que Kanembe et Kabila, comme vous l'appelez, a raison de dire que cette fois-ci, ce sont les meilleures élections pour lui. Mais seulement les Congolais qui sont en train de se réjouir comme dans un cirque, ils se réveilleront le 24 et ils comprendront qu'ils étaient en train de jouer un jeu dans le cirque. Les rôles que le seul dompteur qui est Kabila leur fait jouer. Car aujourd'hui, quand vous regardez dans les réseaux sociaux, vous voyez que tout le monde se réjouit, il y a la popularité, mais je ne sais pas si en 2006 et en 2011, il n'y avait pas le même effervescence et les Congolais n'ont plus de mémoire, ils verront que cette fois-ci encore, le 24, ils se réveilleront groggy. Est complètement trompé, clair et net. En 2006, comme vous dites, si j'avais demandé qu'on soutienne Jean-Pierre Bemba, c'était sous une condition. Parce qu'aujourd'hui, personne parmi, que ce soit Fayulu, que ce soit Tshisekedi, personne ne réunit les conditions que Jean-Pierre Bemba avait réunies en 2006. Il avait l'armée, il avait l'argent, il avait les avions, il avait les bateaux, il avait surtout l'unité
des Congolais de l'opposition, tous étaient réunis derrière lui en deuxième tour et il avait gagné les élections. Nous le savons, le cardinal Echow a été liquidé parce qu'il a réclamé la vérité des urnes, mais il n'a pas reçu le pouvoir, l'impérium. En 2011, Tshisekedi a connu le même sort. Il a réclamé l'impérium, mais il ne l'a pas eu. Cette fois-ci, vous voyez que son fils a vendu l'impérium avant même les élections. Vous voulez devenir président de la République, mais vous signez un accord où on vous dit vous ne devez pas contrôler l'armée alors que vous êtes censé être le commandant suprême des forces armées, mais on vous dit que vous n'aurez pas le ministère de la Défense, vous n'en aurez pas le contrôle, vous n'aurez pas le contrôle du ministère des Finances, ni de la Banque Centrale, ni de la Justice. Alors vous êtes président de quoi? Lui, il a cédé déjà l'impérium. Et vous savez très bien que cette fois-ci, avec le jeu des machines à voter, je l'ai dit, j'ai donné des éléments au peuple congolais. Je sais à l'avance que nous vivrons le même scénario qu'en 2006 et en 2011. Et c'est pour cette raison que j'ai dit cette fois-ci, si on rate, les Congolais font jouer le jeu des Rwandais comme ils le font maintenant. Les Rwandais qui ont réussi la phase de l'occupation qui est déjà acquise vont passer à la phase de la balkanisation et pour rien au monde, je ne veux partager la responsabilité de cette bêtise que nous sommes en train de commettre dans notre pays, de donner une fois de plus le pouvoir aux Rwandais pour qu'ils aient le temps de passer à la phase finale de la balkanisation. C'est ainsi que cette fois-ci, il n'est pas question de supporter qui que ce soit. J'ai dit déjà pour moi, les Congolais devraient non seulement boycotter, mais refuser le processus électoral. Et j'ai demandé à mes compatriotes de l'opposition de boycotter les élections. Et j'ai demandé au peuple congolais, comme les hommes politiques ne veulent pas boycotter les élections, parce qu'ils sont tétanisés par l'hypnose, dont ils sont victimes au niveau, n'est-ce pas, de l'argent et du pouvoir, il faut que le peuple divorce avec cette classe politique et refuse d'aller aux élections. Donc je confirme ce que vous dites, la seule solution pour voulez que Kabila reste là, c'est parce que les Congolais n'aiment pas s'assumer. Je n'ai pas demandé, je crois que vous avez suivi la proposition que j'ai faite au peuple congolais. J'ai demandé que les hommes politiques congolais de l'opposition, parce que les autres ont déjà choisi de vendre leur pays, mais que ceux qui se battent dans l'opposition sortent des institutions. Mais ça ne s'arrête pas là. Le boycott des élections, c'est pour que le peuple se soulève, le peuple s'assume pour pouvoir renverser. Le peuple peut s'assumer. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en France. Le peuple français, quand il a vu que ni les politiciens, ni les syndicalistes ne répondent à leurs besoins, mais ils se sont assumés et vous voyez les conséquences aujourd'hui, la France est pratiquement paralysée. Mais si c'était eux réagissent uniquement pour les problèmes sociaux. Mais chez nous, il s'agit de la terre, Baudouin. Il s'agit de notre propriété nationale. Et si le peuple congolais faisait ce que les gilets rouges font chez eux, ne croyez-vous pas qu'on irait vers l'arrêt et la libération du peuple congolais? Moi, je le crois bien. Parce que si maintenant, dans ce mouvement, se joignent les militaires qui sont patriotes, les policiers qui sont patriotes, se joignent à la population, nous pouvons libérer notre pays parce qu'aujourd'hui, les Rwandais ont réussi la phase de l'occupation de notre pays. Moi, je considère ce phénomène du tribalisme, je le qualifie d'un virus. Ce virus-là a été déjà injecté par le colonialiste belge. À l'époque coloniale belge, les Belges avaient utilisé le tribalisme comme moyen pour diviser et bien dominer le peuple congolais de l'époque. Et quand vous regardez ce qui se passe chez nous,
Le phénomène que nous vivons aujourd'hui de l'occupation, depuis l'agression de 1996, depuis San City, en passant l'arme qu'utilisent les Rwandais et les commanditaires qui sont derrière eux, c'est le mensonge. Ils veulent faire croire que les Congolais se battent entre eux. Mais chaque fois, ce mensonge est mis à l'épreuve. C'est pour cette raison qu'eux, ils ont intérêt. Maintenant qu'ils ont réussi la phase de l'occupation, ils ont intérêt que les Congolais puissent entrer en guerre entre eux pour qu'ils puissent réussir la phase de la balkanisation. Parce que je crois, vous le savez, l'histoire le démontre. Pour qu'on balkanise un pays, il faut que les peuples de ces pays soient prédisposés à la balkanisation. Et comme le peuple congolais jusqu'ici a résisté à l'agression extérieure à cause de l'unité nationale, à cause de l'union entre Congolais, ce qui est l'héritage de Mobutu de la Deuxième République, les Rwandais ont compris que la seule façon de pouvoir réussir la phase de la balkanisation qu'ils espèrent obtenir après le mascarade de ces élections-ci, c'est d'injecter le virus du tribalisme. C'est pour cette raison que je lance un appel solennel à tous les Congolais de sang de combattre par tous les moyens ce virus du tribalisme d'où qu'ils viennent. Qu'ils viennent des gens de l'Équateur, qu'ils viennent des gens de Kassai, qu'ils viennent des gens de Bandundu, nous devons tous nous dresser contre ce virus du tribalisme. Parce que ceux qui ont intérêt que demain le Congo soit balkanisé, ils sont en train de miser sur les méfaits et les conséquences néfastes du tribalisme pour que demain ils puissent réclamer. Regardez, c'est là, votre question me donne même l'occasion d'épingler quelque chose dans cette campagne. Vous voyez, par exemple, dans cette campagne, pour la première fois, on fait un meeting pour soutenir Chadari en Kinyarwanda. En Kinyarwanda, s'il vous plaît, sur le territoire congolais. Cela veut dire que la partie de notre territoire est occupé déjà par les Rwandais et les Congolais sont expulsés de cela. Demain, vous trouverez ces gens-là en train de réclamer en Kinyarwanda devant l'ONU et devant le monde l'autodétermination de leur territoire. Et ce sont ces gens-là qui entreront en conflit avec les vrais Congolais pour faire croire au conflit tribal. Mais les Rwandais ont intérêt que ce conflit ne se limite pas dans le Kivu, qui s'étendent sur tout le Congo afin que la balkanisation soit facilitée. Donc vous avez raison, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ce phénomène du tribalisme se développe. C'est pour cette raison que je demande à la jeunesse congolaise, au peuple congolais, de combattre par tous les moyens et avec toute l'énergie. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. J'ai dit clairement que le phénomène de l'occupation, si nous, Congolais, nous étions levés dès que j'ai lancé cet appel, depuis 2001, je suis en train de crier que le Congo est occupé. À partir, je parlais, est en processus d'occupation. Et nous avions tout le temps de combattre ce processus. Mais les Congolais eux-mêmes se sont prêtés au jeu des Rwandais et des occupants pour les aider dans le processus d'occupation. Ceux qui ont aidé pour que l'armée aujourd'hui soit entre les mains des Rwandais, ce sont ceux qui étaient allés à San City. C'est là qu'on aurait dû mettre fin au processus d'occupation. Mais c'est là que ceux qui sont partis là-bas ont donné aux Rwandais tous les postes régaliens. Donc la sécurité et la défense. Et ils en ont profité pour renforcer le processus d'occupation. Aujourd'hui, j'ai dit que face à l'occupation, c'est tout le peuple qui doit se mettre debout. Et pour ça, ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de tout le monde. C'est la prise de conscience collective de tous les Congolais que le pays étant occupé, que les étudiants, les élèves,
les professeurs, les fonctionnaires, les mamans maraîchères, même ceux qui ne font pas le travail, les sportifs, les militaires, les policiers, que tous nous puissions nous mettre debout. Ce n'est pas simplement un coup d'État, ce n'est pas une guerre armée, parce que nous n'avons pas aujourd'hui une armée, mais nous devons avoir un soulèvement populaire avec les militaires dedans, les policiers dedans, les étudiants dedans, pour que nous puissions nous mettre debout. Et cela passe même par ce que j'ai appelé la désobéissance civique. On a vu ça dans le monde entier, ça a réussi dans les autres pays du monde. Je ne vois pas pour quelle raison nous les Congolais, nous voulons ergoter autour de ça, comme si ce phénomène arrivait dans le monde pour la première fois. C'est arrivé dans d'autres cieux, nous avons vu comment le peuple s'est levé dans ces pays-là et comment, avec l'aide et le soutien de leur armée, de leurs militaires, de leurs policiers, ils ont réussi à se libérer du processus. J'ai dit clairement que le phénomène de l'occupation, si nous, Congolais, nous nous étions levés dès que j'ai lancé cet appel depuis 2001, je suis en train de crier que le Congo est occupé. Est en processus d'occupation. Et nous avions tout le temps de combattre ce processus. Mais les Congolais eux-mêmes se sont prêtés au jeu des Rwandais et des occupants pour les aider dans le processus d'occupation. Ceux qui ont aidé pour que l'armée aujourd'hui soit entre les mains des Rwandais, ce sont ceux qui étaient allés à Sand City. C'est là qu'on aurait dû mettre fin au processus d'occupation. Mais c'est là que ceux qui sont partis là-bas ont donné aux Rwandais tous les postes régaliens. Donc la sécurité et la défense. Et ils en ont profité pour renforcer le processus d'occupation. Aujourd'hui, j'ai dit que face à l'occupation, c'est tout le peuple qui doit se mettre debout. Et pour ça, ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de tout le monde. C'est la prise de conscience collective de tous les Congolais que le pays étant occupé, que les étudiants, les élèves, les professeurs, les fonctionnaires, les mamans maraîchères, même ceux qui ne font pas le travail, les sportifs, les militaires, les policiers, que tous nous puissions nous mettre debout. Ce n'est pas simplement un coup d'État, ce n'est pas une guerre armée, parce que nous n'avons pas aujourd'hui une armée, mais nous devons avoir un soulèvement populaire avec les militaires dedans, les policiers dedans, les étudiants dedans, pour que nous puissions nous mettre debout. Et cela passe même par ce que j'ai appelé la désobéissance civique. On a vu ça dans le monde entier, ça a réussi dans les autres pays du monde. Je ne vois pas pour quelle raison nous les Congolais, nous voulons ergoter autour de ça, comme si ce phénomène arrivait dans le monde pour la première fois. C'est arrivé dans d'autres cieux, nous avons vu comment le peuple s'est levé dans ces pays-là et comment, avec l'aide et le soutien de leur armée, de leurs militaires, de leurs policiers, ils ont réussi à se libérer du processus. Et le mot d'ordre que je donne depuis longtemps, le leader qui donne le mot d'ordre, le leader doit être entendu. Et puis de deux, je viens de vous donner l'exemple des gilets roux, des gilets jaunes. Baudouin, vous connaissez bien l'histoire. Quand il y a eu la prise de la Bastille, et vous pouvez me citer le nom du leader qui avait donné l'ordre pour la prise de la Bastille? Il n'y en a pas. C'est le peuple qui s'était levé pour la prise de la Bastille. Arrêtez arrêtez-vous au niveau des médias aussi de faire prendre ce peuple comme des petits bébés. Le peuple en soi, c'est un peuple qui doit être mûr, mature et responsable. Le peuple peut même se dresser contre les leaders quand il estime que les leaders prennent une mauvaise voie. On a vu ça dans les autres pays du monde, Baudouin. Arrêtez de faire croire que le peuple, ce sont des moutons. Ce ne sont pas des moutons des panurges. Ce sont des gens responsables.
Quand vous parlez du peuple, il y a des professeurs d'université là-dedans, il y a des professeurs là-dedans, il y a des hommes mûrs, des hommes matures là-dedans. Donc le peuple, ce n'est pas un mot fictif, c'est une réalité, c'est une réalité sociologique qui a agi dans d'autres pays et qui a eu les résultats que l'on connaît. Question, la menace terroriste, je vous dis tout de suite qu'elle est réelle. Mais la question qui se pose n'est pas celle que vous me posez. La question qui se pose, c'est que cette menace existe depuis quand? C'est ça la vraie question. Cette menace terroriste existe depuis plusieurs années. La question, permettez que je développe cette réponse. Je vais arriver à l'ambassade. Parce que la menace existe depuis toujours. Mais pourquoi maintenant? C'est ça le problème. Parce que la menace qui est là, la menace terroriste, moi j'ai fait une révélation dernièrement. J'ai dit que depuis depuis 2010, au mois de juillet, j'ai fait un document secret. Une étude secrète de 15 pages que j'ai communiqué à tous les services de renseignement de l'Occident parce que le danger était réel. Il venait d'être né où j'ai décrit tous les réseaux de renseignement d'Al-Qaïda dans le Hezbollah à Kinshasa et dans les pays environnants. J'ai même cité les sociétés et tout, dont entre autres, je cite cette société-là parce qu'elle est déjà reprise dans les documents actuels, Congo Futur. J'ai donné une liste même des personnes qui sont dans ces sociétés-là. Certains des services occidentaux qui avaient reçu ce document ont réagi pour me confirmer l'authenticité et l'exactitude des données qui étaient là-dedans, dans certains pays qui mobilisent les gens aujourd'hui. Alors la question qui se pose maintenant, Baudouin, c'est de savoir pourquoi à cette époque-là, parce que quand je peux prendre le cas, par exemple, du dossier de l'uranium, que j'avais adressé un document complet au président George Bush Jr. de l'époque, où j'ai annexé les documents officiels de l'État congolais impliqué dans la vente illicite de l'uranium à certains pays voyous qui sont entrés en conflit avec les États-Unis et d'autres dernièrement. Mais en ce moment-là, à ces dates-là, ces gens étaient décidés à maintenir Kabila et Kagame chez nous parce que c'est eux qui sont derrière ces réseaux-là et j'avais démontré les faits. Aujourd'hui, quand ils bougent, c'est parce qu'ils ne sont plus en bon terme avec les alliés, leurs propres alliés. Et là, c'est maintenant la question que je pose. Quelle est maintenant cette menace qui est devenue telle qu'elle est différente de celle que nous avons signalée il y a quelques années? Ne s'agit-il pas là d'un prétexte que l'on prend quand on voit l'importance de l'armada qui sont en train de déployer, les bateaux de guerre qui sont sur l'océan en face de Pointe-Noire et les avions qui descendent avec des équipements sophistiqués? Nous avons vu dans le passé le danger du terrorisme dans le monde qui existe et qui est réel, mais nous avons vu l'instrumentalisation de ces menaces qui sont réelles, j'insiste bien, mais on les instrumentalise où on a pu brandir certaines preuves dans l'hémicycle de l'ONU, mais pour justifier des actions militaires sous d'autres cieux. Et tout cela nous appelle à nous, Congolais, d'être vigilants. Mais je doute fort, avec l'euphorie qui existe aujourd'hui dans notre pays, derrière les plaintes, comme on dit là-bas, en courant derrière les cirques que l'on fait jouer aux Congolais là-bas, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui des élites congolaises qui s'intéressent réellement à ce dossier-là. Moi, je suis ça de très près. Il y a des éléments, mais je ne peux pas vous le dire ici, mais je vous dis que je suis très inquiet parce qu'avec les enjeux qu'il y a chez nous, avec le danger de la guerre froide qui risque de revenir dans notre région, il y a des choses
qui devrait retenir l'attention de l'élite congolaise. Je ne vais pas en parler ici au niveau des médias. Je crois que vous êtes très intelligent, vous comprenez ce que je veux dire, mais je vous dis que la menace est réelle, mais elle peut être instrumentalisée et il nous appartient à nous, Congolais, de pouvoir bien observer pour savoir de quelle menace s'agit-il. Parce que dernièrement, j'ai même relevé la menace qui se trouve à Beni, au niveau, n'est-ce pas, de Boko Haram, qui est déjà là avec les gens d'Al-Qaïda et tous les autres. Et que derrière tous ces gens se trouvent deux personnes, Kabila et Kagame. J'ai les éléments. J'ai communiqué à certains services occidentaux. Ils ont les éléments. Mais pourtant que ces gens-là sont leurs alliés pour leurs intérêts, on met le dossier dans le frigo et quand ça les intéresse et leurs intérêts sont menacés, ils les font sortir. À nous d'être vigilants. Je vous dis tout de suite qu'il s'agit, nous sommes là devant une grande affaire de manipulation, mais à grande échelle, comme vous le dites. Il y a manipulation, mais à grande échelle. Je crois, Baudouin, qu'il faut poser d'abord les bonnes questions. Qu'est-ce que Michael Sharp et Zaïda Catalan sont allés faire à Kananga? Deuxième question qu'on peut poser, par qui et pourquoi ils ont été assassinés? Troisième question que je peux me poser là-dessus, c'est pour dire pourquoi l'enquête de l'ONU sur l'assassinat de ces deux experts présente beaucoup de lacunes et de cacophonies. Et enfin, une autre question que soulève la fuite des documents, de dossiers Congo Files, comme on l'appelle. Qui a dissimulé les informations capitales sur cette enquête au Conseil de sécurité? Quand vous voyez toutes ces questions-là, Baudouin, ce que vous relevez là, vous trouvez la question au phénomène, à la mise en scène, parce qu'il s'agit bien de mise en scène, à la mise en scène que vous venez de décrire. Parce que Michael Sharp et Zaïda Catalan, ils sont allés là-bas, c'était suite à une mission d'enquête qui était due à l'assassinat des miliciens de Kamuina Sampo par la 5e brigade de la FARDC à Kananga, et plus précisément le 53e bataillon de FARDC à Kananga. Et cette enquête avait été ordonnée suite à ce massacre-là. Le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, à l'époque, le prince saoudien Zed Radad, c'est lui qui avait ordonné qu'on fasse l'enquête pour déterminer les auteurs et l'ampleur des crimes qui ont été commis là-bas. Et alors, quand ces deux jeunes gens, les deux experts, ont reçu une information venant de Kananga, de leur source, qui leur précisait qu'ils détenaient les renseignements sur les places où se trouvaient les fosses communes et sur les auteurs. Donc, nous revenons au problème de cette mise en scène que vous venez de me raconter, mais sur les vrais auteurs des massacres des miliciens de Kamuina Sampo. Voilà, c'est ça le... Alors, les gens qui ont pu tuer ces deux experts ne peuvent être que des hommes, ceux qui avaient intérêt que le scandale n'explose pas. Mais maintenant, on peut se poser la question, mais les deux experts avaient quitté Kinshasa discrètement pour aller là-bas. Pourtant, ils ont été interceptés. Qui les avait dénoncés? Et là, il y a des réponses, des indices clairs qui montrent, et nous l'avions dit déjà à cette époque dans l'œil du patriote que nous avions sorti du mois de mars 2017, qu'il y avait complicité entre les Rwandais qui sont au pouvoir à Kinshasa et à Kigali, qui sont derrière cette opération, et certaines hiérarchies de la MONUC à Kinshasa. C'est là où le bât blesse. C'est ça qui fait qu'il y a tous ces scénarios que vous voyez. Et
je vais vous donner quelques éléments qui sont bouleversants dans l'enquête, dans le document de fuite que Sonia Rolet avec les autres journalistes ont sorti dernièrement. C'est très important que les Congolais puissent retenir ces éléments-là. Quand la mission d'enquête qui est allée pour chercher les deux experts, la mission de l'ONU est arrivée à Kananga, elle a été immédiatement approchée par un Congolais, entre guillemets, Jean Bosco Mukanda, qui s'est présenté comme étant le témoin qui a vu les événements. Je donne ça pour clarifier la question importante que vous avez soulevée. Mais les enquêteurs disent que d'abord il y a une question. Cet homme-là, Jean Bosco Mukanda, c'est un enseignant dans le village paroisse de Bunkonde. Comment cet enseignant-là a été au courant de l'arrivée de la mission d'enquête secrète de l'ONU? Et qui lui a donné le téléphone de ces gens? Et on trouvera la réponse selon toujours le rapport de Congo Files. On trouvera la réponse parce qu'ils disent que 13 minutes après le coup de fil de Jean Bosco Mukanda, ils ont été approchés, ils ont eu le coup de fil, 13 minutes après, le coup de fil du capitaine qui est le commandant second du 53e bataillon à Kananga. Et celui-là leur dira quoi? Il dira, moi je me présente à vous, et il dit qu'il est commandant second, je m'appelle capitaine Jobé Barianga. Retenez bien, il dit Barianga. Mais les enquêteurs de l'ONU disent qu'après, quand ils ont pris contact avec lui et ont vu ce document, son nom c'est Balianga. Baudouin remarquait, et les enquêteurs de l'ONU relèvent, que le bonhomme avait la déformation phonétique de la lettre L. Cela veut dire que ce type-là, c'est un Rwandais, qui a pris le nom, et rappelez-vous que dans le document que j'avais fait sur l'invasion, l'occupation du Rwanda, du Congo par le Rwanda, le document de 30 pages, l'enquête que j'ai sortie, je vous ai dit qu'il existe au sein du ministère de la Défense, dans le département, la direction du personnel, les Rwandais ont une direction qui est chargée uniquement de changer le nom de tous les Rwandais qui entrent dans l'armée congolaise pour leur donner les noms congolais. C'est là une preuve que nous sommes là devant une preuve qu'il s'agit d'un capitaine, commandant second du 53e bataillon, qui a pris le nom de Balianga, qui est de consonance de l'Équateur ou de la province orientale, mais le bonhomme n'arrive pas à prononcer bien le nom. Il dit « Je suis capitaine Barianga ». Cela montre, je m'arrête là simplement pour dire que le coup est monté par les Rwandais. Et comme ils l'ont fait ailleurs, ils font porter le chapeau aux Congolais. Il faut ici simplement, Baudouin, qu'on puisse remonter à la question pour savoir qui sont les militaires qui ont intérêt à ce que qui sont plutôt les hommes qui ont intérêt à ce que la vérité ne se sache pas. Parce que vous savez très bien que l'affaire Kamwina Sampou vient justement du fait qu'il y a eu une certaine multinationale qui a voulu qu'on chasse les Congolais de leur terre pour qu'elles puissent exploiter les minerais qu'ils ont découverts sur place. Et c'est là, ces gens-là, comme les Rwandais, comme leurs associés qui occupent le pays, il y a une association des malfaiteurs qui ont intérêt à ce que la vérité ne se sache pas et qui ont intérêt à faire tout le montage que nous sommes en train de vivre. Dans l'une de mes réponses
que le peuple congolais aujourd'hui est le seul à tolérer ce qui est en train de passer dans son pays. On trouve ça rarement dans d'autres pays du monde. Remarquez d'abord une chose, mon frère. Depuis qu'on est en train de sanctionner les Congolais, c'est la même chose comme le dossier dont nous venons de parler tout à l'heure, le dossier de deux experts qu'on a tués là-bas. On arrête les Congolais, on juge les Congolais, on condamne les Congolais, mais jamais les commanditaires. Pourquoi? Si aujourd'hui, on a puni, je ne dis pas qu'il ne faut pas punir les Congolais. Je prends le cas du dauphin de Kabila, Chadari. On a sanctionné Chadari. Mais Chadari était ministre de l'Intérieur. Et connaissant le système dictatorial dans lequel ils évoluent, Chadari ne peut pas poser des actes de lui-même. Chadari était sous ordre. Alors si on doit punir les criminels, on doit commencer par les commanditaires de crimes. Les crimes pour lesquels on punit les Congolais. Mais les Congolais sont des exécuteurs. On devrait remonter pour punir tout le monde. Mais le système qui est chez nous, les occupants qui sont les commanditaires, parce qu'ils sont les alliés des puissances extérieures, ces puissances-là, quand ils veulent agir chez nous, ils s'attaquent aux Congolais pour faire simplement pression sur leurs alliés et complices qui sont chez nous. Moi, je m'insurge contre ce système-là. Moi, je crois que si sanction il y a, alors qu'on sanctionne tout le monde. Mais moi, je crois que si nous étions dans un pays libre, la sanction pour les problèmes internes ne doivent pas venir de l'extérieur, devrait venir de l'intérieur. Quand le système fonctionne, quand un pays est libre, quand un pays est souverain, les sanctions, les fautes sont jugées, condamnées et sanctionnées à l'intérieur de ce pays. Mais pour moi, je ne me prononce pas dans le sens de la question que vous posez. J'ai dit tout simplement que cette mascarade-là, je le rejette en bloc parce que je n'accepte pas qu'on puisse se servir des Congolais comme des strapontins pour commettre des crimes et que pour les sanctions, on puisse condamner les Congolais et qu'on laisse les vrais commanditaires. Mon commentaire à ce sujet est simple, Baudouin. Moi, j'ai dit plutôt que Kabila a réussi sa mission au Congo. Voilà, le bilan qu'il devait dresser, c'est le bilan de sa mission au Congo. Il est venu au Congo pour faire quoi? On juge quelqu'un en fonction de sa mission. Il a réussi sa mission au Congo parce qu'il était venu pour occuper le Congo, déstabiliser le Congo, détruire le Congo et permettre sa balkanisation et son annexion au Rwanda. Voilà les missions pour lesquelles il est venu. Et quand il est en train de jongler avec les mots, c'est pour se moquer du peuple congolais, tout simplement. Moi, me demander de juger ce qu'il est en train de dire, c'est me demander de m'apprêter à ce jeu du ridicule. Moi, je ne m'apprête pas au jeu du ridicule. Les Colette Brackman, qui était très pointilleuse vis-à-vis de Mobutu, j'aurais aimé que ces gens-là soient aussi pointilleux vis-à-vis de lui. Parce que Colette Brackman, pendant le règne de Mobutu, je ne sais pas s'il a vu des camions pleins de cadavres, s'il a vu des chantiers, des morts par centaines à travers toute la République. Lui qui avait alimenté les faux massacres des étudiants de Lubumbashi,
où il n'y avait pas, il n'y avait qu'un seul mort qui n'était pas mort des troubles, aujourd'hui, elle est taciturne et elle est aveugle vis-à-vis des milliers, des millions de morts que nous avons connus sous le mandat, les 17 années de Kabila. Ils n'en parlent pas, mais pour Mobutu, quand il y avait un mort, il en faisait des dizaines, mais devant des millions de morts, il n'a plus les yeux, il n'a plus de voix, elle est devenue atone. Et alors moi, Baudouin, je ne m'apprête pas à ce jeu-là, parce que ce soit la presse occidentale qui joue le jeu avec les occupants parce qu'ils sont derrière eux, moi je n'entre pas dans ce jeu-là. J'ai dit simplement qu'il appartient aux vrais Congolais qui sont intelligents, qui peuvent observer la situation. Ils comprendront que Kanembe a réussi sa mission. Il a réussi à occuper le Congo. Il a réussi à chosifier la classe politique congolaise. Il a réussi à chosifier les Congolais. Et pour ça, il a deux ingrédients qu'il a utilisés, le pouvoir et l'argent, pour amnestésier tous les Congolais et les rendre aveugles. Pour ça, aujourd'hui, il peut faire comme il veut, parce que, comme il a dit, il y aura des meilleures élections. Quand cet homme parle, il faut le mettre dans sa logique et dans sa vision. Quand il dit que ce sera les meilleures élections, c'est parce que cette fois-ci, il contrôle toutes les fractions et il va faire exactement tout ce qu'il a voulu des Congolais, tant au niveau des dirigeants qu'au niveau du peuple. C'est pour cette raison, Baudouin, que je reviens et je termine moi aussi sur cet appel aux Congolais que le temps est arrivé. Le 24, ce sera le jour de la vérité. Tous ceux qui sont en train de se trémousser pour dire « Ah, nous sommes en train de faire le plein, que Fayoulou est en train de faire le plein, Tshisekedi est en train de faire le plein », comme si le Congo était faire le plein, c'était ça l'objectif de tout ce que nous poursuivons. Alors qu'ils sont simplement des simples animaux dans un cage, qui sont dans un cirque, qu'on est en train de faire jouer. Je crois qu'il est temps que les Congolais, les vrais Congolais, l'élite congolaise, comprennent que les enjeux actuels sont graves et importants. Que nous puissions nous mettre debout pour stopper cette machine qui a déjà accompli la phase de l'occupation et qui voudrait aller à la phase de la balkanisation. Et pour moi, j'ai dit rendez-vous le 24 pour que enfin le peuple congolais se réveille. Voilà, dans ce moment expressément, il y a qu'on présente bien un élément où on a repris sa leçon, na, surtout dans ma proche collaborateur, M. Honoré Mbanda, qui est le temps de papa Alphonse et Bamba, pour le comportement de Yamabe. Il y a aucun des coups de pour ça, l'alliance, le docteur Denis Mukwege, qui est invité, qui est proche. Il y a Kagame et il y a Kigali, ou Azali proche, il y a l'impérialisme, il y a Azali, assassin, il y a tout Azali qui complète pour détruire, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Il y a Kimba, il y a proche, il y a tout le monde qui a été fait, il y a Bolanda, émission, il y a un lobby, il y a un papa, il y a un grand Kondo, il y a un article été pour libérer le Congo démocratique et c'est pour procéder à l'élection. Mais ils ont dit plutôt engagement, disponibilité, la volonté, il y a peuple congolais, ceux qui s'accordent comme un seul homme, et c'est qu'à la base, quelque part, il y a un bolinga, bolinga, beaucoup de télémas. Ceux qui ont téléminé, et vous avez la solution pour nous libérer totalement, Boka, la République démocratique du Congo. C'est que nous avons congolais tout sangana. Tout le monde a le sentiment, tout le monde a l'esprit, il y a le leadership, il y a le monde qui il y a des responsables, il y a des leaders, il y a des dirigeants, il y a des dangers, il y a des tendances, et il y a des République démocratique du Congo. Tout ça, c'est le rôle de tout le monde, Congo, le rôle, comment dirais-je, priorité, parce que si tu as mis une bombe, peut-être que tu as pour te libérer totalement de la République démocratique du Congo. Merci à Babona de la télévision. Merci à la fanatique émission Valais RDC. Merci à Maman Catherine Ngwanda. Merci pour maître Nico Mangele pour nos conseils. Surtout pour nos soutiens intellectuels. Et tous ensemble pour nos combats de libération de la République démocratique du Congo. Merci encore une fois. Tout le monde a une occasion de nous soutenir.